Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du basson, qui est un instrument de musique à vent qui appartient à la famille des bois. Il est constitué d'érable ou de palissandre pour le corps de l'instrument et de mâchoire argentée pour les clés. Le basson mesure 1,30 m. Il est de perce conique et se joue grâce à une hanche double fixée sur un tube métallique en forme de point d'interrogation que l'on appelle bocal. L'air passe ensuite dans la petite branche de l'instrument, puis la culasse, la grande branche et le bonnet, soit 2,50 m de longueur de tuyau, ce qui en fait l'instrument le plus grave de sa famille. Sa tessiture va du si bémol 2 au la 4. Son premier ancêtre apparaît pour la première fois à la Renaissance, à la fin du XVIe siècle, en Allemagne, sous le nom de fagott ou dulcen. Le principe de fabrication commun à ces instruments est de réaliser en une seule pièce de bois deux perces iconiques reliées par un coude. Au XVIIe siècle, le basson prend sa forme définitive et prend le nom de basson. Apparaît également le contrebasson, mais son usage reste chez les compositeurs encore rare. Le basson se modernisera au 19e siècle avec l'apparition du système de clés inspiré du système du flûtiste Théobald Boehm. C'est également au 19e siècle que les écoles françaises et allemandes vont s'opposer. Le fagott allemand concurrence le basson français par une perce un peu plus large et un pavillon vasé. Il finira par s'imposer et de nos jours, la plupart des bassonistes jouent du fagott. Dans l'orchestre, on peut trouver 3 voire 4 bassons et parfois un contrebasson. Le basson a un rôle de basse ou de soliste. Il peut en effet se montrer très chanteur dans l'aigu, comme il peut se montrer sombre ou grognon dans le grave. Il s'utilise également comme doublure des violoncelles ou des contrebasses, et il se mélange très bien avec les cors, les clarinettes ou les cordes. Quant au contrebasson, il s'utilise rarement comme soliste à cause de son timbre à la fois sonore et grognon. On trouve tout de même quelques solos chez Maurice Ravel ou Richard Strauss. Si dans le répertoire symphonique au XVIIIe et au XIXe siècle, le basson est pour la plupart du temps utilisé pour doubler les contrebasses ou les violoncelles, au XXe siècle, il s'émancipe et acquiert un statut d'instrument soliste au sein de l'orchestre. Au final, le basson a été utilisé dans de nombreuses œuvres telles que le thème de la berceuse de l'oiseau de feu, dans Pierre et le loup avec le célébrissime thème Grand-père, ou bien encore des sonates telles que la sonate pour basson et piano de Camille Saint-Saëns sur laquelle je vais vous laisser. Bonne journée.